Paris, 1er mai 2022, à l'occasion d'une mobilisation pour la Journée internationale des travailleurs, une femme subira un traumatisme crânien ouvert suite à une intervention de police alors chargée du maintien de l'ordre. L'élément décisionnaire qui vient de passer annonce à ses collègues les ordres. L'objectif des policiers est de faire en sorte que les manifestants ne prennent pas la rue adjacente au parcours initialement prévu. Les différents CRS abandonnent une quadrille de périmètre, et c'est alors qu'apparaît cet individu seul. Observez bien son attitude. À ce moment précis, aucune animosité n'est alors perceptible d'un côté ou de l'autre. Au moment de retourner notre objectif, nous constatons que le policier vient de s'élancer seul dans la foule pacifique de manifestants pour interpeller une personne. En atteste la position du manifestant au masque blanc au niveau du sol, l'arrestation est du moins offensive. Le policier qui s'était alors élancé seul se retrouve maintenant en proie avec les manifestants alentour, le contraignant à faire un usage de la force avec un gazage au gel. Une équipe, qui vient de voir la situation dans laquelle est leur collègue, décide de lancer un assaut sur les manifestants présents. Le policier déséquilibré par le manifestant qui se débat est entraîné au sol par le poids des manifestants autour de lui. Un premier policier s'élance et commence à matraquer. Les autres suivront. Quatre d'entre eux matraqueront sans distinction les personnes alentour au policier à bande bleue au niveau du sol. L'échec de l'arrestation se concluant alors sur la fracture ouverte du crâne d'une manifestante qui n'avait au départ aucun rapport avec l'intervention. Concentrons-nous à présent sur l'attitude des manifestants en arrière-plan. Au moment de la tentative individuelle d'arrestation du policier, plusieurs personnes du cortège s'élanceront en direction de leurs camarades interpellés. La personne qui va nous intéresser ici est cette femme en pull bleu marine. Nous la voyons s'agglutiner au reste du groupe voulant intercepter l'arrestation en cours. Au même titre que les autres présents autour d'elle, elle n'anticipera pas la charge policière et se fera ainsi matraquer au sol violemment. À en juger par la présence du commissaire, les représentants d'État ont l'air parfaitement conscients de ce qu'il vient de se produire. Mais qu'en est-il réellement du cadre dans lequel une telle intervention est censée se dérouler? Relevait-elle vraiment d'un cadre strictement professionnel? Comment se fait-il qu'un policier puisse avoir le champ libre pour une telle arrestation, alors que les ordres donnés étaient explicitement contradictoires? Aussi, qu'en est-il du cadre légal dans lequel s'inscrit une telle intervention? Est-ce normal qu'elle se solde par l'abandon d'une blessée sur place? Au-delà d'une blessure que l'on serait tenté de résumer à un dommage strictement collatéral, nous nous sommes posé l'interrogation suivante. Là où une logique de maintien de l'ordre encouragerait à un désamorçage des tensions sous-jacentes, l'initiative personnelle du policier à bande bleue relevait-elle véritablement d'un acte strictement professionnel et maîtrisé? Une telle arrestation n'alimente-t-elle pas par ailleurs un stress contre-productif auprès des manifestants, les encourageant à des réactions dangereuses voire irrationnelles? En prenant l'exemple d'une mobilisation contre la loi sécurité globale s'étant tenue le 12 décembre 2020 à Paris, Mediapart révélait dans une enquête que lors de cette seule manifestation, sur 142 personnes interpellées, seulement 5 d'entre elles avaient été condamnées, et uniquement 2 pour des faits de violence. Ces fameux dommages collatéraux sont si inévitables que ça.